C'est là la première dimension du ministère du Saint-Esprit. Il est venu pour agir dans nos vies. Nous qui étions des ruines, il veut faire de nous des temples à la gloire de Dieu. Lorsque Dieu trouve en nous repentance et foi, il nous accorde le pardon de nos péchés, et c'est là qu'il envoie son Saint-Esprit pour venir agir en nous, établir sa demeure en nous. Et il le fait à travers, on va dire, deux étapes. La première est immédiate, elle s'appelle la régénération ou la conversion, et la deuxième est une œuvre progressive de transformation que nous appelons, dans un langage, c'est vrai, un peu technique, religieux, la sanctification, mais j'y reviens dans quelques instants. Alors, la régénération, c'est l'apôtre Paul qui l'appelle ainsi, il parle du baptême de la régénération et du renouvellement de l'esprit. D'une manière plus simple, dans son dialogue avec le docteur de la loi Nicodème, Jésus, dans Jean chapitre 3, parle de « naître de nouveau ». Par son esprit, Dieu fait naître de nouveau des hommes de tout âge. Ça surprit Nicodème. Et Jésus lui a expliqué, mais il ne s'agit pas bien sûr de retourner dans le ventre de sa mère, ce qui est impossible, mais de naître d'Esprit Saint, naître selon la volonté du Père. Et c'est vrai que bien, le Seigneur refait vivre notre esprit. Autrefois, notre esprit était mort, dit les Écritures. Il était enfermé dans le péché, il était loin de Dieu. Mais à l'écoute de l'Évangile, le Seigneur dégage notre esprit du péché et il le reconnecte au Dieu de la vie. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit vient renouveler notre esprit, vient nous ramener vers Dieu. C'est la nouvelle naissance. Juste deux points, encore deux ou trois points sur la nouvelle naissance. Tout comme nous ne naissons qu'une fois de la chair, nous ne naissons de l'esprit qu'une fois. Nous ne sommes pas appelés à naître de nouveau de multiples fois, mais nous naissons de nouveau une fois pour toutes. En même temps, nous devons comprendre que lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui renaît. Notre corps ne renaît pas. En même temps, tout ce que nous sommes va être transformé. Mais la nouvelle naissance est avant tout quelque chose de spirituel. Et cette nouvelle naissance, c'est le moyen donc par lequel le Saint-Esprit fait de ceux qui se repentent et qui croient des hommes et des femmes nouveaux en Jésus-Christ. C'est une œuvre extraordinaire. Et le Saint-Esprit vient alors habiter en nous. Et à ce moment-là, les hommes, les femmes qui placent leur foi en Jésus reçoivent ce témoignage du Saint-Esprit de l'assurance de leur salut. Certains trouvent que parfois on est un peu présomptueux de dire que nous avons l'assurance de notre salut. Mais comment pouvez-vous si certain que vous êtes sauvé, que vous avez la vie éternelle, alors que dans tant et tant de religions dans le monde, eh bien la vie semble être une quête infinie vers l'éternité. Et vous, vous dites, vous chrétiens, que vous avez l'assurance de la vie éternelle. Mais ce n'est pas tellement nous qui le disons au fond, mais c'est le témoignage du Saint-Esprit qui est en nous. C'est cette assurance qu'il nous donne. C'est quelque chose qui ne vient pas de nos émotions, de notre pensée, mais qui vient de Dieu directement. Nous sommes sauvés, nous avons le pardon de nos péchés. Et nous ne sommes, je veux dire, ça va même plus loin, ça ne s'arrête pas là. Puisque du Saint-Esprit, nous recevons aussi ce témoignage que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes en paix avec lui, et même que nous sommes devenus comme ses enfants. L'apôtre Paul dit que l'Esprit en nous témoigne que nous sommes les enfants de Dieu et nous pousse à nous écrier « Abba, Père, Papa, Père !» Nous appelons Dieu notre Père. Et ça, c'est le témoignage que le Saint-Esprit veut déposer dans chaque homme, dans chaque femme qui se tourne vers Jésus-Christ à travers l'œuvre de conviction qu'il veut réaliser dans nos vies. Les Écritures ont cette expression au sujet du salut. Elles disent que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Christ a donné sa vie pour nous, et son sang, le sang de Jésus, du Fils de Dieu, est la seule valeur agréable à Dieu, suffisante aux yeux de Dieu, par laquelle nous pouvons être rachetés de nos péchés. Maintenant, rachetés par le sang de Christ, nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous rachète. Mais acheter,
racheter, appartenir, ne veut pas dire transformer. Dieu sait très bien qu'il rachète des hommes qui sont convaincus de péché, mais il ne rachète pas des gens qui sont devenus comme ça en un instant, des gens parfaits, des saints. Il rachète des hommes et des femmes qu'il va ensuite transformer. Regardez cette image. J'ai un ami qui un jour a eu un coup de cœur pour une bergerie située dans le sud de la France, dans une région assez montagneuse. J'imagine que lorsqu'il l'a vu, il a été saisi là dans « Oh, quelle belle bergerie, quelle belle pierre !» Je pense que si ce jour-là, il y avait des amis avec lui, ils ont dû se demander « Mais qu'est-ce qu'il lui prend ?» Parce que de cette bergerie, c'était surtout des ruines qu'il en restait. Mais lui, il a dit « Je veux cette bergerie. » Parce que déjà, il voyait ce qu'il voulait en faire. Les autres n'arrivaient pas à comprendre cette chose. « Mais quoi, qu'est-ce que tu achètes là? Quelques pierres? Tout est en éboulis, tout est en ruine. Qu'est-ce qui te prend de vouloir acheter cette bergerie? Mais moi, je la veux. » Alors, il l'a achetée. Il l'a achetée. Mais il est évident que c'était une ruine qu'il a achetée. Et pendant des années, il y a travaillé. Et il a transformé cette bergerie qui était en ruine en une magnifique maison. Et parce qu'il voulait qu'elle soit la plus belle des maisons, il a acheté les plus beaux matériaux pour cette maison qu'il pouvait trouver. Parce qu'elle voulait, il voulait qu'elle soit vraiment magnifique et éclatante. Et maintenant, les gens qui la visitent et qui peut-être au premier jour disaient « Mais tu es fou d'acheter cette bergerie !» disent maintenant « Ta maison est magnifique, on a envie d'y passer nos vacances. » Vous voyez, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Quand il nous a rachetés, qu'étions-nous? Des hommes et des femmes sans valeur, nous étions des ruines pour certains, sans valeur dans ce monde. Mais Dieu a eu un coup de cœur pour nous. Pourrais-je dire, il a même eu un coup de foudre pour nous. Il nous aime, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous racheter. Mais maintenant, il sait très bien ce que nous sommes. Il n'est pas ignorant de l'état de ruine morale, spirituelle, parfois même physique, dans laquelle nous sommes. Et son projet ne s'arrête pas donc simplement à nous racheter, mais il veut nous rénover, il veut nous transformer. Et il est prêt à y investir tout son cœur, toute son énergie, à trouver les plus beaux matériaux du ciel pour nous les donner. Et c'est ce que Christ fait dans notre vie par son esprit. Son esprit agissant en nous, il va faire de nous qui étions des ruines la plus belle des demeures pour le Seigneur. Et la Bible dit que nous devenons des temples de Dieu, des habitations de Dieu en esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est déjà un peu moins religieux quand on voit les choses comme ça. Le Seigneur veut nous transformer et il va donc agir en nous. Il va faire des travaux de fond en nous. Il va renouveler nos pensées, nos habitudes, nos émotions, presque tout ce qui était instinctif en nous. Il va changer nos centres d'intérêt. Il va nous apprendre à gérer notre vie d'une autre manière, à gérer nos relations, à gérer notre emploi du temps, à gérer notre argent, à gérer nos efforts d'une autre manière, en nous alignant sur sa manière de faire. Et il nous renouvelle tout entier. Et nous devenons des gens complètement nouveaux. Ce n'est plus simplement naître de nouveau, mais c'est rentrer de plein pied dans la vie nouvelle. C'est là la première dimension du ministère du Saint-Esprit. Il est venu pour agir dans nos vies. Nous qui étions des ruines, il veut faire de nous des temples à la gloire de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.